filet mignon de porc en croûte d'épices, Saint-Jacques, foie gras de canard frais, voilà quelques-uns des plats mitonnés par les élèves de Jean-Paul Gasnier. Ce maître restaurateur installé à Ancenis propose régulièrement des ateliers cuisine, des séances à thème de 2 heures. Ça fait 7 ans que ça dure, mais madame a eu bien du mal à décider son mari. Mon mari transmet son savoir auprès des apprentis depuis 30 ans, plus de 30 ans. Quand il était en poste dans la région rémoise, depuis que nous sommes installés ensemble depuis 28 ans, il a toujours formé des apprentis. Et ça, c'est une tâche en plus de celle de servir nos clients. Former des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, leur apprendre le béaba. Et là, je me disais, mais il a ces notions de pédagogie qui font qu'il est apte à apprendre à des personnes à cuisiner. En même temps, quand j'étais en salle, les gens me disaient « Mais comment le chef fait-il pour faire ça ?» Comment ? Et dites-moi, ben, je dis, moi, je suis vraiment en peine de vous dire tout, parce que le chef, il a devant lui ses aromates, ses épices, les idées dans sa tête et tout. Et puis, bon, et puis là, ben, un jour, ben, j'ai travaillé mon épaule, lui disant « Je sais que tu en es capable. » Non, je ne tiendrai pas 2 heures à leur apprendre et des niveaux différents et des personnes... Bon, qu'il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais moi, je les ai fait toujours comme ça, cette recette-là, le beurre nantais, je le fais comme ça, et pourquoi ?» Donc, il faut être pendant 2 heures, il faut être percutant, dire « Mais c'est très bien, comme vous faisiez, comme faisait votre grand-mère, c'est très bien. Moi, je vous apprends une méthode. Si elle vous convient, vous la reproduirez. Si celle de votre grand-mère était mieux, vous continuerez de faire celle-là. Oui, mais en fait, comment avec... Moi, j'ai tel produit, dimanche, je reçois telle personne, qu'est-ce que je peux en faire ?» Et là... On déborde très vite du thème, parce que le chef est passionné. Donc il va dire, vous avez ça et ça, alors vous pouvez en faire ça, ça, ça et ça. Voilà. Nous avons offert, dans le village où nous habitons, à nos deux voisines, là, nous leur avons offert, pour leur retraite, des cours de cuisine. Et puis alors je me suis dit, pourquoi je ne viendrais pas avec elles, voilà. Donc moi je me le suis offert. Quel que soit le niveau des élèves, les cordons bleus ou les novices, tout le monde va pouvoir réaliser la recette, puisque de toute manière, si tout d'un coup, ben, on n'y arrive pas, le chef, il est là, il n'y a que 6 élèves, il est là et hop, il rattrape la sauce, puis la personne sait pourquoi elle a failli louper, mais elle ne l'a pas loupé, donc chez elle, elle ne la loupera pas. Et quelle plus belle récompense quand, eh bien après, nos élèves reviennent en disant, la recette que j'ai apprise il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 1 an, je la fais, je la refais, et je n'ai que des compliments. Ça, c'est génial, parce qu'elle la maîtrise bien. Ça ne doit pas être le cours magistral, le cours de cuisine. C'est simplement le plaisir, l'envie. Et moi, je suis incapable de donner un cours de cuisine si je ne suis pas en phase avec ce que je veux faire. Et à chaque début de cours de cuisine, je suis stressé comme un gamin. Parce que j'ai envie que ça se passe bien. Du cours de cuisine, c'est pas de dire, voilà, je me frotte le nombril, je suis le meilleur. C'est pas ça. Le cours de cuisine, c'est de se dire, est-ce que je peux transmettre à des gens quelque chose qui leur serve. Et puis en plus, moi je pense que quand les gens apprécient, les gens après viennent dans les restaurants. Et ça, faire la différence entre les cuisiniers qui travaillent à la maison et les cuisiniers qui achètent tout. Alors, ce soir, les personnes ont appris à faire du foie gras mi-cuit. Donc, à évener le foie gras, la cuisson, la conservation, et puis en plus, elles viennent de fabriquer et déguster des Saint-Jacques en croûte avec des endives cuites avec du jus d'orange et du Rivesaltes. Ces ateliers ont lieu un week-end par mois, les jeudis et vendredis soirs, ainsi que le samedi matin. Ils se déroulent au restaurant Les Terrasses de Bel Air à Ancenis.